la touche, c'est Wizard Creep et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Tacos. Bonjour. Bonsoir, c'est Tacos et bienvenue. Bienvenue, je suis le métalleux, le huileux, le chromé et le chauffeur Tacos. Mais nous sommes en compagnie de mon ami Wizard Creep qui est pété de thunes. Voilà, pété donc, de thunes. On fait cette vidéo avec la dernière mise à jour. En fait, c'est moi le Thug. Voilà, et donc. Je vais commander un bateau. Je suis réduit à l'esclavage, donc je suis son chauffeur. Et moi, je dois l'amener à son yacht. Donc, on va un petit peu vous présenter son yacht. Voilà, ça m'a coûté 8 millions. je vais faire demander un bateau, je vais te mettre un point. Et oui, du coup, nous allons y aller en gentleman. Voilà, je suis ton gentleman. Voilà, mets-toi en vue FPS. Voilà. Et bien l'intérieur de ma vie. Absolument, allons-y. Et la voiture que vous voyez là, c'est la mienne, hein, c'est pas la sienne. Hein. Ouais, ouais. C'est moi qui achète les voitures les plus classes de ce jeu. Mais nous allons respecter le code de la route. Nous sommes en limousine. Allez, donc ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos parce qu'en fait j'ai changé d'écran depuis, donc voilà. Jean-Michel. Et du coup, je refais une vidéo. Attention. On va s'en battre les couilles des feux rouges parce que sinon, ça va prendre 30 ans. Ouais, voilà. Mais il faut quand même qu'on fasse la conduite à la gentleman limousine. Ah ouais. Et donc aujourd'hui, c'est moi le thug. Le pété de thunes. Et encore, j'en ai dépensé pas mal, hein. Ben ouais, t'es à combien là, 16 millions? Ouais, je suis à 16 millions là. T'as vu, j'arrive à allumer les feux même quand je suis à l'arrêt, sans reculer. Ah ouais? Peut-être faut un petit peu appuyer sur les deux gâchettes. C'est super stylé. Ah ouais, c'est vrai que ça fait swaggy. Nous, sur des badass. Ouah! Le Benji fait crisser ses pneus. Ah! Voilà, moi je te les fais crisser mes pneus. Ah, ah. Attention regarde. Quand même. Ah, oh, une te pue. Ou une te pue. Oh. Oh. Pardon, il y a que deux places. Hein. Je vais mettre le point à côté, au moins tu te trompes pas de route. Ah oui, c'est vrai. Donc ouais, parce que comme il est un petit peu au bord, on se trompe de route à chaque fois. Eh oui. Ouais. Biatch. Allez. Oh, c'était beau. Non, pas je contrôle. Tu es passé pile au feu vert. Oh, dérapage à moitié contrôlé. Ouais. Et ce que je viens à l'instant de faire, c'est un fail. Allons-y. Donc, je vais faire ton chauffeur. Je suis ton chauffeur. Et toi, tu es peut-être dessus. Donc, j'ai commandé un bateau, tel Thug que je suis. Oui, vu que. Donc, il est propriétaire d'un yacht de luxe. Voilà. Et il y a un truc sympa dans le yacht. De toute façon, on va faire la visite. La visite, tout simplement. Non, t'es pas obligé de suivre la route, hein, trace. Hein. Oh putain! Voilà. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, tu t'es pris un poteau. Ah, pas du tout. Ah bon? Toi, tu l'as vu peut-être que je l'ai pris, mais moi je suis pas, je l'ai frôlé, mais je me le suis pas pris. Hein. Ah d'accord. Bon, il est costume, on s'en bat les couilles. Oh, mais je suis ton chauffeur et je nage plus vite que toi. Allez. Vas-y, conduis. Bah oui, vu que je suis ton chauffeur, je vous invite à monter à l'arrière, vu que... Très bien. Allons-y. Accrochez-vous, mon cher monsieur. Ça va peut-être éclabousser. Attends, Ah non, mec, regarde, il y a un truc devant à gauche. Il y a une lumière, là. Ah, c'est par là qu'il faut... Et oui, c'est par là qu'il faut monter. Et donc, là, c'est son yacht privé à lui, hein, donc c'est... Non, mais c'est l'ancre, gros débile. Ah non, j'ai cru que c'était là au début. Entrer dans le yacht par les portes du pont inférieur pour utiliser comme appartement flottant. Ok. Et c'est là. Je pense. Tu as
Attends, je vais essayer de te garer. Donc là, voilà le Wither Boat, comme vous pouvez voir, France. Oh, ouais, Wither Boat, France. Bon, je nique un poil. Oh, amarrez votre véhicule! Ah ouais? Amarrez votre... Regarde! C'est cinématique! C'est bon, le véhicule est amarré. D'accord. Ah merde! Merde, je voulais qu'on fasse sans se mouiller devant. Oh, bah je fais la visite du yacht sous l'eau, moi. Alors attends, on va juste... Non mais, remonte. Merci. Allez. Ah, moi je te propose d'aller... Attends. Oh, jacuzzi. Restez derrière moi, chef. Il y a peut-être des bandits, je vous couvre. Non, t'inquiète pas. Il n'y a personne. Mon yacht est protégé. Merde. Si votre garde du corps. Oh, ah ouais, ça c'est bien fait, ça nous met direct en maillot de bain quand on entre. Puis-je rentrer avec vous? Très bien, sensuel. Allons. Ah, et on est pieds nus. Ah, on est pieds nus. Ah, une première dans ce jeu. On est bien là. Hein. Ah, on est bien. Ah, on est bien. Alors, c'est pas bien d'être pété de thunes. Moi, je fume. Oh. Ah merde, je peux pas! Tu peux pas quoi? Fumer. Merde! Tout va bien. Je t'ai vu voler! Il m'a agressé. Allez, viens, on sort. Voilà, voilà. Allez, on va entrer. Alors, je vais faire entrer avec tout le monde à proximité. Voilà. Oh, mais il est magnifique, mon yacht. Magnifique. Oh, tronc. Oh, yeah, c'est beau. Hein. Allez, 8 FPS. D'accord. Attends. First hand. Ah oui, c'est le truc. Non. Alors. Oh. Ah, c'est des bouteilles au cas où. Oh. Oh, une biatch. Une biatch. Oh non, mec, elle est française. Oh, les bitches, quoi? Elle te parle français? Elle a dit monsieur. Attends, on s'écarte et on revient. Hello, sir. Oh, oui. Non, moi, ça m'a dit hello, sir. Non, moi, elle parle en français. Hello, sir. Ah oui, mais je veux dire, elle est... Ah non, mais tout à l'heure, elle était française. Elle a dit merci, bonjour et tout. Putain. Ah. Bonsoir, je suis son garde du corps. Monsieur. Ah. Et donc, hein, ben... Elle m'a dit monsieur. Tu vois? Il y a du français dans GTA. Hey, arrête! Hey, moi, elle veut plus me servir. Ah, c'est vrai. Let me know if I can get you something. Serre-moi un verre. Oh putain, je suis un vrai alcoolique, moi. J'irai déchirer ta jupe un petit peu plus tard dans la soirée. On reviendra plus tard. Donc là, on a la télé. Absolument. On s'en bat les couilles. Voilà, avec des programmes nuls américains. Je sais pas si c'est comme ça. Tu t'imagines. Ouais, il regarde pas les conneries comme ça. D'accord, au calme, le lance-roquette. Ouais, dans donc, chambre. On a vu ça tout à l'heure, le lance-roquette dans la chambre, ça veut rien dire. Parce qu'on a fait une petite visite. Uh-huh. Faut pas le dire. Oh, les chiottes. Ah les chiottes. Non, ne me dis pas que tu peux t'asseoir dessus. Non. Et on peut se laver par contre, dans ce jeu. Ouais, je sais. Mais... Bah, oui. Ah! Oh merde, je loue ta douche. Je me lave. Ah bah moi je vais dormir. Oh, yeah. Ah ouais, ça fait une petite cinématique. De quoi tu me vois? Les petits les trucs noirs. Non mais moi. T'as fait des petits trucs noirs, des petites bandes noires. C'est-à-dire cinématique. Genre que tu dors? Ouais. Ah ouais. Bon allez. Je vais essayer. Par contre ça m'a enlevé mon chapeau. Je vais essayer alors. Attends, je vais remettre mon chapeau. Juste qu'il y a pas de respect. Ces bandes noires, je ne comprends pas ce que c'est. Et est-ce que je peux dormir dans... Oh, je peux dormir dans le lit du boss. Et le pire. Oh, merde, il y a une mine de proximité aussi. Ouais, j'ai vu. Le pire. Je les vois pas, tes bandes noires. Ah, moi, ça m'a fait des bandes noires. Bon, c'est pas bien. C'est bien, ton écran a bugué. Non, non. Ouais, mon gars, ma gueule, il y a une mine de proximité par terre. Oh, un sniper. Donc ça, c'est le côté beauté. Oh, putain, il y a encore une chambre. Avec encore une douche. Bienvenue à l'hôtel.
Oh, la vue sur la mer. Merci. Oh putain, il y a un camp de chambre. Attends, il y a marqué quoi? Je ne sais pas. Attends, il y avait marqué un truc là. Non, je suis passé. Ah. Ah oui, changer de vêtements. D'accord. Ah oui. Changer de vêtements, là c'est quoi? Oh, la salle de bain. Oh, il y a un couloir. Waouh, regarde-moi la taille de cette salle de bain. Oh, ça c'est magique. Il y a une baignoire et tout, il y a un truc pour les cheveux. Oh. Et il y a une boîte à maquillage. Bah ça, à mon avis, c'est le lit du boss. Hein. Ouais, ça c'est mon lit. Ah, donc moi, c'était le lit de mes deux, là. D'accord. Ouais, mais bon, ce sera ta chambre. Oh, le mec, il a sa propre chambre. Mon chauffeur a sa propre chambre. Même allez, les biatchs ne dorment pas sur le parc. La biatch, elle dort pas. C'est dans mon lit. Non. Moi, j'aime bien la façon dans laquelle ils ouvrent les portes. Même pas besoin d'appuyer sur la poignée, ça fait avec le poing. Alors. Montons. Oh bien. Putain. Bon, l'hélico, c'est pour après. Pour l'instant. Ah oui, mais c'était en bas que tu m'avais dit que tu pouvais piloter le. Oh, c'est énorme. Ah, mais j'avais déjà fait le tour. Ah non, je suis pas allée. Non, là, je ne suis pas allée ici. Et il y a un deuxième héliport. Non, là, je n'étais pas allée. Wow, ah non, on peut pas y aller. D'accord. Oh, le coin canapé. Le petit coin canapé. Ah. Ah merde, j'étais en train de bugger. Je marche sur ton canapé. D'accord, ça, c'est le coin canapé. Ouais, c'était joli. Alors. Ah, ensuite, on va... j'essaie de poster cette vidéo dans quelques jours qui suivent, au moins c'est l'actualité. Oh, on peut s'appuyer sur la rambarde. Ouais. Ah là, on peut pas, mais tout à l'heure je me suis appuyé. Oh, là. Attends, je vais montrer ça aux abonnés. Donc, ce yacht, je me suis payé évidemment avec l'argent des abonnés. Ah putain. Ouais, c'est beau. La observez le large. Et en fait, c'est pas le large, c'est le continent, c'est de l'autre côté le large. Ouais, mais bon, ça me bat les couilles. Allez, YOLO. Alors, on va monter. On va monter. Wow, le virage. Oh, ouais. Oh, l'hélico, c'est pour après. L'hélico, c'est pour après. Le Swift de luxe, c'est pour après. Donc là, on entre dans la cabine du capitaine. Et moi, je ne peux pas. Bah, y'a que moi, accès VIP quand même. Non, c'est comment? Je veux voir. Y'a rien d'intéressant, c'est juste pour déplacer le yacht en fait, qui coûte beaucoup cher. Et c'est mon capitaine. Je vais vous trahir. Et fais-moi rentrer. Oh merde. Oh merde, quel con. D'accord. Oh, j'ai de la chance, j'ai repopé sur le bateau, ils sont mignons. Je sors, je vois un mec décédé. Ouais, le gars, oh, le gars il s'absente 2 minutes. Tu vois un mec qui est décédé. Le mec il sait pas se gérer tout seul. Non, mais le pire c'est qu'il y a son chauffeur qui vient de se suicider. Non, mais... Le mec il peut pas vivre sans son patron. Je te propose de prendre l'hélico que je vais te piloter vu que je suis ton chauffeur. Et puis après, on va rester un peu sur ce yacht. Et tu m'avais dit qu'on pouvait boire du champagne. Ah oui, ça, je vais le montrer aux abonnés. Oh, ça doit être mignon. Mais tu n'as pas de yacht, toi? Moi, non, mais je te dis, j'ai pas assez de thunes, moi. Ah, ça coûte vers les 8 millions, j'en ai que 4. On peut boire du champagne. Nous allons retourner à la limousine. Très bien. Le mec lui dit ça et à la seule chose qu'il trouve à me dire, c'est très bien. Cool. Nous allons atterrir sur notre héliport privé. Oh, mais le Wizardbot, c'est juste impressionnant. Non, oui. Attends, je te propose en fait que après prendre les récos et réatterrir sur le yacht. En fait, si vous voulez. Ouais, si tu veux. Les yachts, en fait, c'est un Swift de luxe. Vous avez dépensé votre fric. Mais moi, j'en ai en illimité des Swift de luxe. En ouais. Fait. Je peux même appeler mon capitaine. Parce qu'en fait, c'est dans le truc appeler.
Et je peux appeler un véhicule personnel, mais c'est gratuit encore. Ouais, ouais. Alors attends, j'ai pas trop entendu ce que tu m'as dit. Non. De monter véhicule personnel pour pas couper. Vous êtes trop éloigné de votre yacht. Oh, attends, faut tester un truc. Je crois qu'il faut être sur le yacht et appeler le véhicule personnel. Attends, mec. On revient au yacht. Mais... Je teste un truc. Direction le yacht. Ouais, mais on prendra quand même ma limousine. T'inquiète. Ouais, je te connais. Mec est fier de sa limousine. Ah oui, non, mais j'en suis fier. Hein. Elle est belle en plus. Ah oui, ça. Merde. Ma voiture préférée. Je n'attends même pas que vous fermiez la porte. Je remonte le tram. Je m'en fais une petite coupelle de champagne, moi. Monsieur, jetez-la par la fenêtre, ça m'est déjà arrivé. De toute façon, je suis obligée de conduire à l'hélico vu que Wizard Creep au clavier ne sait pas quoi. Wow. Et je suis aussi poil fail. Il y a des turbulences. Ah oui. Oh merde. Oh, oh merde. Oh merde. Sais-tu atterrir? Je savais, mais j'étais déconcentrée. J'étais en train d'essayer de te poser une question. Je vais essayer de te poser. Est-ce que tu es en vue FPS? Bien sûr. Putain, mais c'est chaud. C'est pas, c'est beaucoup plus difficile pour conduire les hélicos maintenant, depuis la mise à jour. Ouais, je pense pas. Allez, je vais essayer d'appeler mon véhicule personnel. Oh merde, je suis tombée. On va se mettre là. Merde! Je vais monter les escaliers! Attends, demandez au capitaine de lui votre véhicule personnel sur la côte la plus proche. Ah, d'accord! Oui, mais bon, tu t'en fous! Allez, monte, nous allons prendre. Quelle bagnole! Mais c'est pas la peine, c'est juste une voiture que. Oh, ouais, non, mais c'était plus de quoi. Ouais. Quand même, faut profiter de ce yacht! Alors, je te propose, dès qu'il fait nuit, on retourne au yacht. C'est-à-dire, là, c'est 9h. Vers 18h ou même moins, on retourne au yacht, d'accord? Absolument. Et on fait la stuff. Parce que la vue de nuit, c'est juste énorme. Oh mon dieu, nuit de répéter. Allez, roule. Oula. Un saut au parachute, vous direz, monsieur. Et il te l'a livré où, ta voiture? Bah, sur la côte. Je sais pas si tu vas voir, là, à gauche. Ah ouais, t'as problème. Oh merde, ma limousine! Oh, la limousine, il a tranché. Oh, la pauvre. Heureusement qu'elle est blindée. Oh non, c'est bon, il n'y a aucune trace. Ah, je vais mettre en vue fesse. Allons-y. Où dérisez-vous aller, mon cher? M'en bats les couilles. Non, bonne question. Alors attends, je vais faire faites un petit tour de ville. Je vais nettoyer mes roues sur vos serviettes. Où est-ce qu'on va? Pour l'instant, je regarde un petit peu les voitures. Ah non, les maisons, oui. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on s'achète. Seriez-vous aimable, mon cher, pour que je vous gare sur cette place de parking le temps qu'on s'achète 2-3 appartements de luxe? L'appartement, je pense pas que ça va être pour maintenant, parce que ça a coûté cher. T'as les sous les appartements? Ça coûte que 50 000, c'est pas si cher. Ah bon? Bah, un appartement de luxe. Oh fuck! Maison. L'Eclipse Tower! Penthouse! Une nouvelle disposition! 1 100 000! Et oui, c'est ce que je disais, ça coûte pas. Ça coûte des blindes. Mais c'est où en fait? Parce que moi je suis allé sur. Comment? C'est où déjà les maisons? Ah voilà, Dynasty 8. Oh! Ouais, c'est où? 1 million! Ouais! Il y a des maisons super jolies! Il y a des maisons maintenant de luxe. 800 000. Ah ouais, il y a des maisons. Choix d'intérieur. Nouvel intérieur. Ouais, je pense que je vais me prendre une maison moi. Ouais, bah moi aussi je vais me prendre une maison. Appartement sur pilote. Bah, je pense que je vais me prendre la maison la plus chère. Allez, on va se la prendre. Ouais. Acheter propriété.
vide. Maintenant, on peut avoir jusqu'à 5 propriétés. Voilà. Moi, je vais m'acheter une maison, même s'il n'y a pas beaucoup de place, que 6. Alors, itinéraire GPS. Je pense qu'on va quand même aller visiter cette maison. Ouais. J'ai mis un GPS, j'espère qu'il est bien. Parfait. Et moi, je vais essayer de m'acheter une maison aussi vers chez Trevor. Ouais, moi j'en ai une. Enfin, elle est tout au bout de la map. J'ai une petite maison tout au bout de la map. Ah. Ah, ok, il y en a qu'une. C'est la tienne. Ouais, bah la mienne est juste à côté. On est voisins. Ah, donc, ça fait chier. Je te propose qu'on y aille. Il n'y a que 2 places de parking. C'est un peu chagrinant de gaspiller 2 places. Ouais, bon, on est pété de thunes. Les mecs, ouais, bon, on est pété de thunes, on s'en bat les couilles. Je pense qu'on y va, non? Ouais, on va y aller. Alors attends, mon cher Wizard Creep, si ça ne te gêne pas, enfin, j'espère que ça ne te gêne pas, ça ne te gênerait pas qu'on fasse une petite ellipse. Non, vas-y. Eh ben, écoutez, les amis, attendez, on va sortir de notre petit véhicule. Ouais. Et nous allons faire une petite ellipse. Donc, on se retrouve là. Donc, mon cher Wizard Creep, je t'invite à faire l'ellipse toi aussi. Ellipse. Ellipse.